Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de Monsieur Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter Bonjour le monde des éditions L'École des loisirs. Bonjour le monde. Viens avec moi, Mo, dit Nine à son petit canard. Nous allons dire bonjour à nos amis. D'abord, Nine et Mo saluent le vieil arbre du jardin. « Bonjour, vieil arbre !»« Bonjour, Nine et Mo !» répond l'arbre. « Ça va bien ?» Nine et Mo vont très bien. Ils continuent leur chemin. En passant, ils saluent le vide sous le pont. « Bonjour, le vide en bas !»« Bonjour !» répond le vide dans un murmure. Nous sommes suivis, dit Mo. Ah bon? Par qui? Demande Nine. Par une grosse mouche. Bonjour la grosse mouche, dit Nine. Je ne suis pas grosse, bourdonne la mouche. Pourquoi tu nous suis? Demande Mo. Juste comme ça, pour voir où vous allez, dit la mouche. Nous allons jusqu'à la mer, dit Nine. Jusqu'à la mer? Je vous accompagne, dit la mouche. Bonjour la mer et tous les poissons, crie Nine et Mo. Bonjour Nine et Mo, crient en chœur la mer et les poissons. Bonjour, bonjour, bonjour. Quand la mer et tous les poissons se sont calmés, Nine et Mo reprennent la route. Moi, personne ne me dit jamais bonjour, ronchonne la mouche. Ah, mais c'est à toi de commencer, dit Nine, essaye. Bonjour Pierre, essaie la mouche. La pierre ne répond pas. Elle dort, dit Mo, ne la réveille pas. Bonjour, paresseuse, hurle la mouche. Cette fois, la pierre ouvre un œil, mais elle le referme très vite et fait semblant de dormir. Bon, de toute façon, je crois que c'est pas mon truc les salutations, dit la mouche, et elle s'en va. Au revoir, la mouche pas grosse, rigole Nine et Mo. Ah, vous revoilà, dit le vieil arbre du jardin. Vous êtes allé loin? Oui, jusqu'à la mer, dit Mo. Tu nous poses sur le toit? Demande Nine au vieil arbre. Nous avons encore une amie à saluer avant de rentrer à la maison. D'accord, dit l'arbre. Tenez-vous bien. Bonjour la cheminée, crie Nine et Mo. Tu vas bien? Chou, chou, répond la cheminée, qui a fumé toute sa vie. Je vous attendais, regardez, c'est déjà le soir. Bonsoir le soir, dit Mo. Au revoir, beau jour, dit Nine. À demain peut-être. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures.